Et bienvenue à toi, je suis William, ton coach sur Hammer Hinder. C'est un plaisir de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on ne va pas faire une séance sur Hammer, mais on va faire une séance au sol avec un petit point technique, quelque chose que tu dois connaître absolument. Et le thème aujourd'hui, c'est abdominaux, arrêter le massacre. Alors, tout d'abord, à quoi servent tes abdominaux? Eh bien, tes abdos, ils te servent à maintenir tes viscères, d'accord? À ne pas faire en sorte que tes viscères aillent vers l'avant. Ils maintiennent tout le paquet à l'intérieur. Et le problème, c'est que la plupart des personnes pensent que abdominaux égale crunch, c'est-à-dire raccourcissement du grand droit, les fameuses tablettes de chocolat, raccourcissement du grand droit. Et quand tu fais ça, tu as tes viscères qui sont repoussés vers le bas et vers l'avant. C'est tout ce qu'on ne veut pas voir. Donc c'est très dangereux si tu continues à faire des abdominaux comme les crunchs. Je te fais voir ce que c'est que des crunchs. Alors on est ici et on fait ce mouvement-ci. Ça, ce sont les crunchs. Donc là, on a un effet, on repousse les viscères vers le bas et vers le haut. Et le pire du pire, c'est ceux qui font les crunchs avec les pieds attachés. Si tu fais les crunchs associés aux pieds attachés, tu ne vas plus travailler les abdominaux, en tout cas dans une proportion vraiment moindre, hein, 20 à 30% environ. Et 60 à 70%, tu travailleras quoi? Le psoas-iliaque. Le psoas-iliaque, c'est un puissant fléchisseur de la hanche qui est accroché en haut du fémur et sur les quatre dernières vertèbres lombaires. Voilà, et qui permet justement de fléchir les hanches. Donc si tu bloques tes pieds, ce n'est plus les abdominaux que tu vas travailler en priorité, c'est le psoas-iliaque. Donc, c'est pas du tout le thème, je pense, quand tu fais un exercice d'abdos, de travailler un autre muscle. Revenons sur nos viscères. Pour garder les viscères en place, il suffit simplement de rentrer le ventre un maximum, de souffler et de rentrer le ventre, de rentrer le nombril, éventuellement de remonter le nombril vers le haut. Donc, je rentre le nombril et je le remonte vers le haut. Je te fais voir. Donc, on commence. Sur le dos, je vais souffler, rentrer le nombril et le remonter vers le haut. Tu peux même mettre une main, si tu veux, sur ton ventre, de manière à bien sentir ton nombril qui rentre bien, qui vient se coller au sol, puis qui remonte vers le haut. Rien que de cette manière-ci, tu vas travailler tes abdominaux profonds, bien plus efficacement que si tu me faisais du crunch. Donc tu maintiens cette position, tu es capable de respirer avec le haut de ta cage thoracique, même si je t'avoue, c'est pas évident. Essaye, tu vas bien voir. Mais tu gardes, tu maintiens, tu maintiens, tu maintiens. Et tu relâches tout doucement sans gonfler le ventre. Parce que si tu relâches en gonflant le ventre, pareil, tu repousses tout vers le bas et vers l'avant. Donc c'est pas bon non plus. Quand tu maintiens cette position, c'est vraiment la position de base. Tu peux maintenir 30 secondes, 40 secondes et faire plusieurs répétitions comme ça. Ce qui sera déjà très bien. Tu vas te sentir maintenu au niveau du ventre. Tu vas travailler des muscles que tu n'as jamais travaillés, notamment les transverses, les muscles profonds de l'abdomen. Donc quand tu vas rentrer le ventre, les transverses, éventuellement un petit peu les obliques. Voilà. Et pas forcément les crunchs dans un premier temps. Dans les abdominaux, tu as plusieurs couches, notamment le grand droit, les transverses, les obliques, et souvent on muscle le grand droit. Le grand droit, c'est celles qui font tablette de chocolat. Il est tout aussi important de muscler notamment les transverses et les obliques. Un exercice pour muscler les obliques, je te montre. Donc tu te mets sur le dos. Dans un premier temps, tu rentres le ventre, le nombril vers le bas et vers le haut. Tu plies une jambe vers toi, le bras côté de ta jambe. Tu l'appuies vers l'intérieur et tu exerces une pression avec ton bras de l'intérieur vers l'extérieur et avec ta jambe de l'extérieur vers l'intérieur. Tu vas voir, de cette manière-ci, tu vas sentir l'oblique se contracter. Tu vas sentir tes abdominaux se contracter à un point précis. Et tu maintiens cette position une trentaine de secondes. Puis tu relâches. Donc ça, tu peux le répéter plusieurs fois sans aucune difficulté. Autre exercice pour muscler les obliques,
on se remet en position allongée. Le ventre rentré, en soufflant bien. Une jambe vers toi. Le bras opposé à celle-ci qui croise au niveau du genou. Puis tu exerces une pression avec ton bras de l'extérieur vers l'intérieur et avec la jambe de l'intérieur vers l'extérieur. Et là, de le même principe que tout à l'heure, tu vas sentir un point au niveau des abdominaux. C'est un régal. Et tu maintiens cette position 30 à 40 secondes en maintenant bien le ventre un maximum rentré. Puis tu relâches. Donc là, on a vu quelques exercices pour muscler notamment les obliques. Je vais te faire voir un exercice pour muscler le grand droit qui te permettra à la fois de travailler efficacement et sans te faire mal surtout, sans te faire mal. Donc, tu vas te mettre en position sur les fesses, les pieds restent au sol. Tu peux croiser les bras devant toi. Tu sors la poitrine, tu mets les épaules en arrière du bassin et tu maintiens cette position. Et là, tu vas travailler le grand droit ici. Donc tu restes en position statique et tu maintiens la position tranquillement en soufflant. Si après c'est trop facile pour toi, tu peux très bien faire des petits cercles en changeant toutes les deux ou trois rotations. Ou éventuellement, tourner les épaules à droite, à gauche. Puis tu peux faire un super combo. Rotation, je tourne, rotation, je tourne, rotation, je tourne, rotation. Je tourne et tu relâches. Merci à toi de m'avoir suivi lors de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Laisse un message dans les commentaires si elle t'a plu, si c'est un sujet qui t'intéresse, si ça t'a apporté quelque chose. Laisse vraiment moi un message, ça me permet de savoir si c'est quelque chose qui t'intéresse et est-ce que j'en referai d'autres. Voilà. Et si ça t'a pas plu, n'hésite pas à le marquer non plus. Il n'y a aucun souci. Sur ce, abonne-toi à ma chaîne et je te dis à très bientôt.